Je suis ta maman biologique, mais je pense aussi à ta mère adoptive en France. Au sommaire de ce numéro de Toute une histoire... Ma maman, c'est une femme exceptionnelle. J'ai eu besoin des deux mamans pour être ce que je suis aujourd'hui. Virginie et Marie ont contacté l'émission avec une idée en tête. Vous êtes aujourd'hui venue rendre hommage à votre maman. Pourquoi ? Parce qu'elle a eu un parcours de vie unique. Que je voudrais qu'elle comprenne que j'ai été terrible avec eux, mais que c'était pas de sa faute et que je ne lui en veux pas. Et c'est un passage obligatoire. Avec le recul, à mon âge, je vois bien que tout ce qu'elle a fait, c'est ce que je suis devenue aujourd'hui. Et vu que je suis bien aujourd'hui, bah, je retransmets la même chose à mes enfants. Elle est contente de la vie que vous avez ? Elle est ravie, elle est fière. Une émission très riche en émotions. Tu n'es pas celle qui m'a donné la vie, mais tu es celle qui l'a guidée et appris à la vivre. Ton nom reste maman. Merci. Marie et Virginie ont contacté la rédaction de Toute une histoire car elles souhaitaient rendre hommage à celle qui a su affronter tous les obstacles pour leur bonheur et sans qui elles ne seraient pas devenues les jeunes femmes épanouies qu'elles sont aujourd'hui. Cette femme, c'est leur mère. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, votre témoignage a beaucoup touché notre équipe. Vous êtes aujourd'hui venue nous parler des deux femmes de votre vie, vos deux mamans, votre mère biologique et votre mère de cœur. Pourquoi c'est important pour vous de les mettre toutes les deux à l'honneur ? J'ai eu besoin des deux pour être ce que je suis aujourd'hui. Alors, vous êtes née à Madagascar en 1988 et vous avez été adoptée par une famille française à l'âge d'un an et demi. Est-ce que vous avez... toujours connu votre histoire ? Toujours. Dès que j'ai eu l'âge, mes parents ne m'ont jamais rien caché. Et en même temps, vu la couleur de peau, je pense qu'ils ne pouvaient pas me le cacher. Et il y a quelques mois, vous avez vécu un moment très fort, celui de vos retrouvailles avec votre famille biologique. Vous en gardez quel souvenir de cette rencontre ? C'était magique. C'était magique. On a pu garder un lien depuis et je suis ravie. Beaucoup d'émotions, j'imagine. Beaucoup. Alors, vous allez nous raconter plus en détail ce moment riche en émotions. Mais d'abord, on va saluer Virginie. Bonjour, Virginie. Alors, vous aussi, c'est une belle histoire que vous êtes venue nous raconter aujourd'hui, celle de votre mère et du lien qui vous unit toutes les deux. Avec quel mot vous décririez votre maman ? C'est une femme exceptionnelle. Pourquoi ? Parce qu'elle a eu un parcours de vie unique. Elle a su rebondir, avancer dans la vie, malgré une enfance très, très, très pauvre. Vous nous avez dit que c'était la personne que vous admirez le plus au monde ? Oui, tout à fait. C'est surtout quand on nous demande des fois dans des tests ou dans des, voilà, dans des rencontres, quelle est la personne que vous admirez le plus ? Et c'est vrai que de façon spontanée, je réponds ma mère. Quel défi a-t-elle relevé dans sa vie ? Beaucoup. Il y a 3 ans, par exemple. Alors là, ça a été vraiment, on va dire, un petit peu le pompon de son histoire. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été scolarisée du tout. Et, bien, il y a 3 ans en arrière, elle a décidé de passer le concours pour être infirmière. Et elle l'a réussi. Elle l'a réussi. Ce qui renforce votre admiration. Oui, vraiment. Alors, elle nous rejoindra tout à l'heure pour nous parler de son parcours et de son enfance chaotique. Mais d'abord, on va s'intéresser à votre enfance, à vous. Vous avez grandi dans quel milieu social ? Un milieu social assez bas. Oui, mon père était ouvrier et ma maman s'occupait de nous à la maison parce que, bien sûr, elle n'avait pas fait d'études, hein, donc elle n'avait pas de métier. Mais donc, de temps en temps, elle travaillait dès qu'elle pouvait trouver un petit travail. Donc, elle cueillait des salades, elle emballait des fruits. Voilà, vraiment des travaux très difficiles. Mmh. Et vous étiez combien d'enfants ? On est 3 en tout. J'ai 2 sœurs. 2 sœurs qui sont plus jeunes ? Oui, oui, oui. Donc, j'ai ma petite sœur Cécile et la dernière, Élodie. En préparant cette émission, vous nous avez parlé de Noël en famille
inoubliable. Qu'est-ce qu'ils avaient de particulier, ces Noëls? De particulier que notre vie, en fait, on n'avait pas grand-chose. Par contre, étant donné que ma mère n'avait jamais eu de cadeau à Noël, le peu qu'elle avait, vraiment, c'était des jouets, même quand qui étaient cassés. Du coup, elle a toujours voulu qu'on ait des Noëls fantastiques, mais c'était des Noëls faramineux. C'est-à-dire que sous le sapin, il n'y avait pas deux, trois cadeaux. Il y en avait des tas et des tas et des tas. J'ai même appris plus tard qu'elle-même, elle s'était même endettée pour qu'on ait autant de cadeaux et rembourser les cadeaux sur l'année entière. Et ça faisait votre joie ou vous étiez blasée? C'était le but de notre vie quand on était petite, on attendait que ça. Ouais. Que ça, c'était le moment magique dans la famille. Donc ça reste un très beau souvenir. Très très beau. Et alors j'imagine que vous étiez sa priorité. Sa priorité, c'était que vous réussissiez dans la vie. C'est ça. Donc, ça passait par la réussite scolaire, j'imagine? Avant tout. Avant tout, il fallait vraiment qu'on travaille à l'école. Même si elle-même ne pouvait pas nous aider, en fait, par rapport aux devoirs, etc. Mais il fallait qu'on travaille. Mais par contre, elle nous grondait pas si on avait une mauvaise note. Elle nous disait pas, t'as pas travaillé, c'est pas bien, non. Mais on sentait qu'au fond d'elle, elle voulait qu'on réussisse et qu'on ait le niveau social qu'elle n'a pas eu. Il y avait deux phrases qu'elle aimait vous répéter, lesquelles? Alors, la première, c'est quand on veut, on peut. C'est-à-dire qu'elle ne voulait pas entendre, mais je voudrais faire ça, mais je peux pas. Ça, elle ne peut pas l'entendre. Elle dit que si on se donne les moyens, on peut y arriver. Et la deuxième phrase, c'est très important pour elle, elle m'a toujours dit, et puis à mes sœurs surtout aussi, c'est « soyez indépendantes les filles, ne dépendez de personne ». Et toutes les trois, c'est ce à quoi vous êtes arrivées? Complètement. Complètement. On a fait des études, on a repris des études aussi pour pouvoir trouver notre voie. Et toutes les trois, on a une situation et on est bien. On est des femmes épanouies et heureuses, je pense. Donc elle doit être aussi fière de vous que vous l'êtes d'elle? J'espère. Alors on va saluer Frédéric Farigou qui nous accompagne aujourd'hui et qui doit être très touchée par ce témoignage, elle-même maman d'une jeune fille. C'est touchant d'entendre une jeune femme parler de sa mère de cette manière. On aimerait bien en tant que maman que nos enfants parlent de nous comme ça. Et puis le portrait que vous dressez de votre mère, c'est vrai que c'est un portrait Enfin, ce qui vient, c'est une mère courage, quoi, qui a été capable de se sacrifier pour ses enfants jusqu'à s'endetter pour vous donner des Noëls magiques qu'elle n'a pas eues. Et c'est ça la résilience aussi. C'est une manière de s'affranchir de la violence subie, de la violence sociale, de la violence psychologique, de la violence physique qu'elle a peut-être subie, et pour ne pas reproduire ce schéma-là et pour vous donner aussi un modèle inspirant de vie, c'est-à-dire de dire la réussite, elle n'est pas à l'extérieur de nous-mêmes, elle est entre nos mains, elle est ce qu'on fait de l'exploitation de nos ressources personnelles et d'apprendre à se baser sur ses fondations personnelles et à dire, voilà, notre réussite, elle est entre nos mains, elle est ce qu'on fait de notre vie. Et je comprends que ça vous ait inspiré. Donc c'est ça, quand on veut, on peut. Oui. Et soyez indépendante. Exactement. C'est-à-dire que ça passe aussi par l'éducation. Et souvent, quand on a subi une forme de violence sociale, l'éducation, c'est un moteur de résilience. Et c'est important de s'éduquer, de s'affranchir effectivement du milieu social ou d'une culture qui peut être limitante, surtout pour les femmes. Alors, vous nous avez confié, Virginie, que votre mère avait parfois été très stricte avec vous. Comment vous l'avez vécu lorsque vous étiez ado, par exemple, en quête de liberté? C'était très difficile. Très difficile parce que je pense qu'elle-même n'a pas su, en fait. Elle n'avait pas les armes ou les connaissances et l'expérience qui faisait. Elle n'avait rien vécu quand elle était enfant. Du coup. du coup, elle ne savait pas comment faire. Elle était maladroite. Elle faisait des choses que je pense, je ne le reproduirai pas parce que je sais par que c'était exemple, une erreur. Par exemple. Une fois, elle a lu mon journal intime et puis elle est venue me dire en me criant dessus ce qu'elle avait lu. Il n'y a pas plus maladroit, je pense, vis-à-vis d'une adolescente. Donc moi, je l'ai très mal vécu. Ça a été très, très, très conflictuel entre nous.
jusqu'à ce que je passe mon bac. Voilà. Et quand j'étais dans l'année de terminale, qu'il fallait que je passe mon bac, là, par contre, son intérêt, c'était que moi. C'est-à-dire qu'elle m'avait préparé une chambre magnifique avec des nouveaux meubles. Elle m'avait... il fallait pas qu'on me dérange. Je disais, vous, Virginie travaille, Virginie prépare son bac. Voilà, c'était quelque chose de... Pour elle, c'était très, très merveilleux. Donc, il fallait surtout pas me déranger pour que je réussisse. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à avoir une relation un petit peu plus, voilà, mère-fille. Je rentrais aussi dans l'âge adulte, donc ça a commencé à se construire à ce moment-là. Mais finalement, avec le recul, vous avez compris quand même que c'était pour votre bien, qu'elle était stricte. Oh là oui, bien sûr. Mais je l'ai surtout compris quand j'ai eu moi-même des enfants. Mmh. Avant, je ne comprenais pas, je ne voyais pas tout ça. Et c'était peut-être important aussi cette période finalement où vous étiez en conflit pour que vous puissiez vous construire vous aussi. Oui, et puis ce qui est frappant dans cette histoire, à mon avis, c'est que la mère de Virginie n'avait pas vraiment de modèle de c'est mère. Ça. Elle n'avait pas de modèle. Voilà. Donc, du coup, elle a tâtonné et elle a tâtonné aussi à partir de ses manques et de sa souffrance à elle. C'est-à-dire qu'elle s'est construite en disant « je ne veux pas que mes enfants vivent ce que moi j'ai vécu ». Donc, elle s'est construite à partir de ces manques-là et ça a été sortir de la misère, avoir une magie aussi au niveau des Noëls, mais aussi apprendre. Donc elle a dû se focaliser beaucoup sur vos études et à partir du moment où elle a dû sentir que ça y est, la sauce avait prise, et ben elle a pu lâcher et vous avez pu avoir d'autres rapports. C'est vrai, j'ai pas vu ça comme ça. Alors Marie, vous aussi, vous avez eu des rapports très conflictuels avec vos parents à l'adolescence. Oui. Pourquoi cette rébellion? Je pense que mes parents se sont mis une pression incroyable. Et avaient vraiment peur que je manque de quelque chose, en fait. Mmh. Et du coup, ils m'en ont peut-être trop donné. Mmh. Du coup, je me suis sentie vraiment étouffée. C'est vrai. Et voilà. Vous étiez fille unique ? Non, j'avais deux frères, qui sont leurs enfants biologiques. Plus âgés que vous ? Oui. Mmh. Oui, deux grands frères. Alors, votre maman, Catherine, est avec nous aujourd'hui. On va l'accueillir tout de suite. Être compliqué pour vous cette période de l'adolescence? Oui, ça a été très compliqué. Mm. Ça a été difficile. Oui, c'est vrai. Comment vous expliquez que vous étiez que vous ayez été aussi protecteur, aussi encadrant à cette période de sa vie? On avait deux garçons. C'était peut-être plus facile avec les garçons. Donc j'avais peur pour elle de tout un tas de dangers. Mm. Mais moi, je suis quelqu'un qui a toujours eu peur de beaucoup de choses. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est pour ça. Je voulais, dans la recherche peut-être de la perfection. Mm. Oui, je pense que c'était ça. C'était peut-être une période aussi où vous commenciez à vous poser pas mal de questions sur votre identité, sur vos origines. À l'adolescence, oui. Mm. À l'adolescence, je me suis rendu compte, j'ai eu l'impression d'avoir un trou dans ma mémoire. Alors finalement, vos rapports se sont apaisés lorsque vous avez eu 18 ans? Oui. Vous êtes devenue... Maman, à mon tour. Maman, si jeune? Oui. Ouais. Et alors pourquoi ça s'est apaisé? Parce que là, vous avez réalisé certaines choses. J'ai compris. C'était une grossesse désirée déjà? Oui. Oui, oui, oui. C'était une grossesse désirée. Je crois que j'avais besoin d'avoir ma famille à moi. Vraiment construire ma famille. Et maintenant, je pense que mes enfants diraient peut-être pareil, que je les couvre trop. Ah oui, vous reproduisez un petit peu. Un petit peu. Parce que vous en avez deux ou vous avez eu le deuxième à quel âge? J'en ai deux. Le premier à 18 ans, le deuxième à 20 ans. Comment vous avez réagi, Catherine, en apprenant que Marie était enceinte? Le tout premier sentiment, c'est du bonheur. Je lui ai dit d'ailleurs. Je lui ai dit que si elle m'annonçait le décès de quelqu'un, je serais triste. Si elle m'annonçait une naissance, je ne pouvais que me réjouir. Et je lui ai dit tout de suite, je lui ai dit... Et elle m'a dit, mais tu m'engueules pas? Je dis, mais je vois pas pour quelle raison je pourrais me donner le droit de te gronder, te disputer, te dire quelque chose, ne serait-ce que quelque chose de désagréable. C'est ton choix. C'est ce que tu veux.
tu le veux depuis bien longtemps. Pas mal de temps. Ça faisait déjà quelques années. Et je lui ai dit, tu as fait ton choix, tu le veux. Après, je lui ai dit, ça va être difficile. Mmh. Ça ne va pas te faciliter les choses. Attention, c'est un choix, mais c'est un choix difficile. Mais le papa est là ? Non. Deux enfants avec deux papas différents ? Oui. Ah oui, donc vous n'avez pas choisi la solution la plus simple. Non. Comment vous analysez, Frédéric, ce besoin si jeune de construire une famille ? Manifestement, c'était viscéral. Souvent, quand on a une histoire avec des blessures, on va avoir... Les grossesses jeunes comme ça, les jeunes femmes expriment toujours un besoin de construire leur propre famille, fonder leurs propres racines. Parce que effectivement, l'enfant va renvoyer à sa propre histoire. L'enfant, il va nous tendre un miroir. Et quelque part, il nous permet de nous construire en même temps. Et il va nous renvoyer à notre conception, de quelle histoire on est né, de qui, du fruit de quel désir. Et ça nous permet de faire ce chemin par rapport à notre propre histoire. Et c'est une manière de se construire en même temps que son enfant. En fait, l'arrivée de mes enfants, ça a été un déclic parce que j'ai eu beaucoup de remarques sur mes enfants. Ils ressemblent au papa, ils ressemblent à la grand-mère paternelle. Et à ce moment-là, moi, je me suis dit, je ne sais pas à qui ils ressemblent de mon côté. Mmh. Voilà. Je ne sais pas à qui ils ressemblent, je ne sais pas mon histoire, je ne sais pas qui est mon papa, je ne sais rien. Mmh. Donc c'est à ce moment-là que vous avez eu envie de retrouver vos parents biologiques ? Et Catherine, vous avez compris et accepté que Marie veuille retrouver sa maman ? Oui, moi j'avais dans l'idée de la retrouver. On n'a pas pu garder de contact. Je l'ai rencontrée il y a 26 ans, sa maman de naissance, mais on n'a pas pu garder de lien. On avait le barrage de la langue, de la distance évidemment, et de la langue. Et j'avais, moi, envie de la retrouver. Mm-hmm. Mais je voulais que ce soit Marie qui ait envie de faire les retrouvailles. Mm-hmm. Donc je l'ai toujours encouragée dans ce sens-là. Mm-hmm. Pour moi, je ne pouvais pas... L'histoire n'était pas rien qu'avec moi dès le départ. Elle était, pour elle, avec sa famille de naissance aussi. Vous aviez des informations sur sa mère biologique ? On avait peu de choses. On avait un prénom et on avait, ce dont je ne me rappelais pas, le numéro de sa pièce d'identité. C'est tout ce qu'on avait. On avait aussi deux ou trois photos que j'avais pu faire là-bas sur place. Le numéro de la pièce d'identité, c'est une pièce intéressante. Oui. Vous lui avez également confié des lettres que vous aviez échangées quelques années auparavant avec Florine, la maman biologique de Marie. Alors, on n'avait pas vraiment échangé de lettres. On avait juste un petit mot écrit sur une feuille. Mais on avait toute une correspondance avec la personne qui avait servi de lien au moment de l'adoption. Mais cette personne, on n'avait pas gardé de contact, donc on n'avait pas de moyen de la retrouver. Mm-hmm. Ça, c'est de toute façon... retrouver la maman de naissance, c'était quelque chose de très difficile, qui me paraissait bien, bien compliqué à mettre en place. Et finalement, alors, comment vous vous y êtes prise ? J'ai eu énormément de chance. Grâce aux réseaux sociaux, en fait, je suis tombée sur une association à côté de chez moi qui s'appelle Léman Horizon Madagascar. Je les ai contactés pour savoir un peu ce qu'ils faisaient. Et ils m'ont répondu qu'ils allaient régulièrement dans le village où je suis née. Voilà. Ensuite, moi, je m'étais résignée à retrouver ma maman parce que j'avais pas grand-chose sur elle. Et quelques mois après ces premiers échanges sur les réseaux sociaux, l'association m'a contactée en me disant qu'il y avait deux personnes de Manakar, où je suis née, qui étaient là pendant 3 semaines. D'accord. Vous l'aviez rencontrée déjà, Florine, la maman de Marie Au moment de l'adoption, oui.
Donc c'était en 1989? Tout à fait. Vous avez gardé quel souvenir de cette rencontre? C'était très émouvant. Alors, le premier contact, c'est... je me retrouve derrière la porte de chez l'avocat. On doit rentrer et voir pour la première fois la petite fille qu'on a adoptée. Voilà, on n'a pas de photo, on n'a rien. On est derrière la porte et on se dit, ça y est, je vais faire connaissance avec ma petite fille qui va vivre avec moi. Elle avait combien de mois? 15 mois. 15 mois. Et pourquoi la maman l'a laissée? Parce qu'elle était, c'était sa dernière petite fille, et elle était à bout de course, j'allais dire, elle était à bout de souffle, elle n'en pouvait plus. Elle ne savait pas comment, j'allais dire, la maintenir en vie. Mm. Voilà, elle avait été malade. Mm. Et elle s'est dit, c'est le seul moyen que j'ai de ne pas la voir mourir comme je n'ai vu mourir d'autres. Mm. Donc elle s'est résignée à ça. Et quand je suis arrivée, on s'est installée, il y avait, on a commencé à parler un peu, des biscuits apéritifs. Et moi, j'ai voulu commencer à jouer un petit peu avec Marie. Et en fait, sa maman m'a fait rentrer. Marie n'a pas voulu, tout de suite. Mais après quelques mimiques, elle m'a fait entrer dans le jeu qu'elle a fait avec Marie. Elle a compris que je voulais jouer avec elle. Et elle s'est mise à entrer dans le jeu. Et on a joué comme ça à trois pendant quelques minutes. Je dois avouer que je n'ai pas fait très attention à tout ce qui s'est dit autour. Mais au bout de peu de temps, elle a accepté. Elle m'a fait... évidemment aucun souvenir de ça? Aucun. Non. Ça vous émeut beaucoup que... Oui. Que l'on parle de ce moment-là précisément? Oui. Qu'est-ce qui vous émeut? C'est l'idée de vous dire que votre mère biologique n'aurait pas pu vous sauver? Elle n'aurait pas pu me sauver. Que je me dis, je me suis pas toujours dit ça, mais je pense qu'elle a dû souffrir quand je suis partie. Ah ouais, c'est sûr, bien sûr. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescente, je lui en voulais beaucoup. Ouais. Vous aviez combien de frères et sœurs à Madagascar? On était 12. Ouais. J'étais la dernière. Quand vous avez emmené Marie, vous avez perçu la douleur de sa maman? Oui, oui, oui. C'est un moment douloureux, très, très douloureux. Douloureux parce que donc on était, j'ai dit on tout à l'heure parce qu'on était deux. En fait, on partait, le monsieur qui était avec moi adoptait la sœur de Marie et moi j'adoptais Marie. On les séparait. Alors, en fait, le dernier, la elle séparation... Elle avait quel âge, la sœur de Marie? Elle avait 4 ans. Et en fait, au moment de la séparation, elle avait très bien compris qu'elle partait, elle avait envie de partir. Marie, pas du tout. Elle était accrochée à sa maman. Et ça a été vraiment douloureux qu'elle se sépare. Elle me l'a donnée dans les bras et elle pleurait. Alors, de toute façon, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui ne pleuraient pas. Et Marie s'est accrochée à moi, mais accrochée, vraiment. Et elle pleurait évidemment j'ai pu quand même dire à Florine que j'essayerais de m'en occuper du mieux que je pouvais et voilà, et c'était la séparation et Marie a pleuré et après s'est endormie et à partir du moment où elle s'est endormie, elle n'a plus repleuré. Elle était accrochée à moi, vraiment accrochée. Je pouvais lâcher, elle tenait comme scotché. Voilà. C'est des moments bouleversants, de déchirement et de... Moi, je trouve ça bouleversant, cette passation entre deux mères et l'amour qu'il faut pour pouvoir laisser son enfant. Bon. Oui, on a perdu Frédéric. On l'a perdu. C'est la première fois qu'on la perd à ce point, quand même. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est des moments bouleversants. Ouais. Ça fait du bien de se rire un peu, là, parce que c'est vrai que l'émotion est forte. Oui. Et puis, à la fois, on est, j'imagine, dans la joie d'accueillir cet enfant, et puis dans la culpabilité de le séparer de sa maman. Oui.
Oui, ça c'est quelque chose qui est présent. C'est quelque chose qui nous suit tout au long de son enfance. C'est pour ça que j'ai toujours essayé de parler à Marie de sa maman de naissance en conservant cette expression. C'est ta maman de naissance, c'est pas une dame qui t'a porté, c'est ta maman de naissance. Et d'essayer de lui faire comprendre la situation de sa maman au moment où elle l'a laissée. On ne peut pas expliquer ça à une adolescente qui a tout, qui a les réseaux sociaux, qui a tout un tas de... Qu'est-ce que vous lui disiez alors quand, adolescente, elle en voulait à sa maman de naissance, comme vous dites? Vous elle lui disiez était en quoi? Révolte, bien sûr. Je lui disais qu'il fallait qu'elle garde le respect de cette femme qui avait fait tout ce qu'elle pouvait, tout ce qui était en son pouvoir, mais qui était démunie, qui n'avait pas d'autres possibilités à ce moment-là de survivre survivre elle déjà. Mais ce qui est terrible dans ces moments-là, c'est qu'on en veut à sa maman de naissance et on rejette sa maman biologique. On en veut à tout le monde. On en veut à tout le monde, à la terre entière, j'imagine. C'est ça. Ouais. Et même à soi-même. On en veut à soi-même de faire souffrir les autres. Aussi. Oui. Virginie, comment vous réagissez à ce témoignage bouleversant? Ouais, c'est très émouvant parce qu'on discutait un petit peu toutes les deux avant de venir là sur le plateau. Mais je savais pas que c'était... je connaissais pas leur histoire en fait. Oui. Et je trouve ça vraiment très 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 émouvant, oui. Vraiment. Alors vous nous parliez tout à l'heure de l'admiration que vous portez à votre mère, Madia, qui a fait beaucoup de sacrifices pour votre bonheur et celui de vos sœurs. Eh bien, il est temps de faire sa connaissance puisqu'elle est avec nous. Comment ça va? Mais ça va. Bon, c'est sympa de venir nous voir. Merci de nous avoir invités. Tu pleures. Je suis émue de te voir là. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas vue? Ça va faire un quart d'heure maintenant. Et pleure. Vous pleurez à chaque fois que vous la voyez comme ça? Non, c'est parce qu'elle est là. Bon. Vous saviez que votre fille vous admirait autant? Je savais qu'elle aimait sa maman, oui. Mais pas jusque-là, quoi. Qu'est-ce que vous lui ressemblez? C'est dingue. Voyons, mettez ses lunettes. Je suis sûre que vous avez la même tête avec les lunettes. Voyons. C'est incroyable. Les ressemblances, c'est incroyable. Donc, vous le saviez qu'elle vous admirait? Je savais, bon, qu'elle, mais pas à ce point quand même. Enfin, je veux dire, arriver jusque à m'inviter sur un plateau... Là, c'est... Comment vous avez réagi justement lorsqu'elle vous a annoncé qu'elle avait contacté notre rédaction? Je suis restée un peu fermée. Oui. Et je me suis dit quel est le thème? Voilà. Et quand elle m'a dit, je dis mais c'est pas possible. J'ai une vie comme tout le monde. c'est vrai. Ma vie intéresse qui? Ben non. Voilà, c'est ça. C'est pour ça. Alors, non, vous n'avez pas eu une vie comme tout le monde. Et justement, on va remonter le fil de votre vie. Vous avez grandi dans quel contexte? Je suis issue d'une famille de 12 enfants, avec deux parents kabyles. Mes parents sont arrivés en France en 1954, exactement dans le nord, à côté de Lille. Je suis née à Orchi. Je suis la première née en France. Voilà. Ouais. Nous avons vécu quelques années. Vous aviez quelle place dans la fratrie? J'étais la septième. Et je sais que ma mère était tellement contente d'avoir une fille parce que je suis la première fille de cet enfant, quoi. Donc du coup, ma mère disait qu'elle était vraiment ravie, tellement que la sage-femme qui a accouché dans maman, c'était une mère supérieure. Ma mère est musulmane de confession. Donc du coup, elle m'a baptisée. Ils m'ont baptisée. Bon. Oui, je suis baptisée. Et ma mère est musulmane, donc du coup... Mais vos parents étaient d'accord pour ça? Eh bien oui, puisque bon, j'arrivais pas trop bien, j'arrivais par les pieds, enfin bref, j'arrivais pas trop bien. Donc du coup, si vous sauvez ma fille, je la baptise. Bon.
Voilà. Donc une enfance difficile quand très même. Très difficile, oui. Pourquoi ? Très difficile parce que bon, mon père, c'était un père qui était très sévère. Voire même, il frappait beaucoup ma mère, nous aussi. Mon père était alcoolique. Voilà, il travaillait dans les chemins de fer et c'était pas tout le temps rose tous les jours, quoi. Voilà, on a beaucoup souffert, un peu de tout, de froid, de faim. Voilà. Est-ce que vous ne mangez pas à votre faim ? Non, non, non. Mon père, il laissait 3 francs à l'époque au bar quand on habitait, donc du coup, après, on a déménagé. Dans un bar, 3 francs, il fallait se débrouiller avec ça. Et quand il rentrait le soir, c'était la catastrophe. On avait vraiment très, très, très peur. On n'avait pas de lit pour dormir, on n'avait pas de drap, on n'avait pas de... Voilà, on ne savait pas comment on allait dormir. On avait juste une petite cheminée avec... 3 chambres pour 12, c'était vraiment... Nous étions comme des... Voilà, on vivait de façon sauvage, quoi. Quel rôle votre mère et vous aviez à la maison ? Vous étiez la seule fille, donc, de cette fratrie ? Donc, du coup, 12 enfants, j'étais la première fille. Après, j'ai eu 3 autres sœurs. Voilà, j'ai 3 autres sœurs. Je suis l'aînée des filles. Des filles, donc quand même j'avais une place, dans ce genre de famille, on vous donne une place, dont la mienne c'était celle de s'occuper de mes frères et sœurs. Je me suis beaucoup occupée de mes frères et sœurs, tant bien que mal. Donc du coup j'ai été déscolarisée, beaucoup déscolarisée, ça oui. Ma mère était souvent hospitalisée par les coups de mon père, quoi, parce que mon père frappait ma mère. Voilà, il nous frappait nous aussi, mais ma mère souvent était hospitalisée. Non, il fallait s'occuper de mes frères et sœurs. Bon, j'étais jeune. Et personne ne réagissait en voyant votre mère venir à l'hôpital avec des stigmates de coups ? Si, puisque nous étions placés de temps en temps à la DAS. Souvent, nous étions placés à la DAS. Là, c'était difficile parce que... moi, je me rappelle encore le manque de maman. Le manque que ça fait à l'intérieur de nous. Ça, c'est indéniable, quoi, hein. Encore aujourd'hui. C'était le manque de maman quand on nous plaçait comme ça. Et pourtant, on mangeait à notre faim, on avait des draps. Ouais, c'était... Mais le fait de voilà, le déchirement de... Voilà. Il vous est arrivé d'être placé longtemps ? La dernière fois que nous étions placés, si je me souviens, c'était un peu plus d'un an. Et quand vous étiez placés, vous étiez placés ensemble ? Oui. Oui. Donc la fratrie restait soudée ? On était un peu soudés, mais vous savez, quand vous êtes à la DAS, selon l'âge que vous avez, on vous met, il y a les poussins, les cerfs, les gazelles, on appelait ça. Donc du coup, on était plus ou moins en lien. Mais j'allais voir, par exemple, mes 2 petits frères, j'allais les aider à... Enfin, je leur donnais la douche, j'ai aidé à donner à manger. Et pourquoi placer un an ? Parce que votre maman est restée hospitalisée si longtemps ? Mon père avait frappé ma mère ce jour-là. Il l'avait laissée pour morte. Donc du coup, j'étais là à la maison. Tout ça parce que le train, parce qu'on habitait une maisonnette garde-barrière. Tout ça parce qu'on avait des petits poussins. Le train avait écrasé 2 ou 3 poussins. Je ne me rappelle plus trop. Et donc du coup, il est rentré. Il a frappé, mais il a frappé à coups de barre. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai hurlé, « Papa, arrête !» J'ai pris une bouteille, j'ai cassé sur la tête, et là, il m'a poursuivi à travers champ. Et je suis allée à la gendarmerie, à Mias. Et là, on m'a amenée, ma mère était toujours au sol. On ne savait pas si elle était morte ou pas. Voilà, donc du coup, elle est restée un peu plus d'un an à l'hôpital. Il a quoi, des fractures ? Oui, traumatisme crânien, enfin tout le reste. Mais je sais qu'elle avait eu un gros coup dans le foie. Il avait quand même... non, il avait bien amoché, saigné de partout. Ma mère, elle avait des longs cheveux, très longs cheveux. Il prenait les cheveux comme ça et tirait très très fort. Enfin, ça, je me rappelle quand j'étais vraiment... J'étais petite, voilà. C'est de ça que je me rappelle. Il est où cet homme ? Mon père, maintenant, il est décédé. Mais de là, il a fait la prison.
un peu de prison. Et ça a permis, si vous voulez, de faire un enchaînement. C'est-à-dire que mon grand frère s'est occupé de préparer toutes les pièces de divorce. Donc, du coup, là, ils ont divorcé. Nous, on est allés à la DAS. Et après, ma mère, pour qu'elle puisse nous récupérer les 8 enfants qu'elle avait, il fallait qu'elle trouve un logement. Et que mes frères, je sais que j'avais deux frères qui avaient 17 et 18 ans à l'époque, trouvaient du travail pour que nous, on puisse aller dans cet appartement, ce bel appartement. Ah, c'était un palace. C'était un palace. Il y avait des draps. Pas trop, mais bon, on avait une salle de bain. On avait un WC parce que là où on habitait, il n'y avait pas d'eau potable. On allait chercher l'eau dans le puits. Voilà, on n'avait pas. Donc il y a plein de choses. On avait un lit, on avait de quoi manger, un petit peu. C'était des HLM, vraiment, on habitait dans les HLM, dans des quartiers un peu défavorisés. Mais c'était, pour nous, c'était le paradis. Vous connaissiez tout ça? Tout? Pas en détail. L'histoire de la bouteille dans les champs, ça, je ne connaissais pas, non. Mmh. Bah, c'était. À 18 ans, vous avez voulu prendre votre indépendance. Dans cette famille-là, la femme n'a pas trop de, la fille n'a pas trop de place. Donc du coup, mes deux frères étaient peintres en bâtiment. Donc du coup, comme on n'avait pas de voiture et il n'y avait qu'une mobylette, il a fallu que bon, je me levais le matin à 6 heures, je préparais le déjeuner de mon frère. Je l'amenais en mobylette à son travail. Je revenais à la maison, je réveillais mon autre frère. Je l'accompagnais à son travail, je revenais à la maison et je faisais ça, quoi. Je faisais ça, je m'occupais de la maison, je m'occupais. Voilà, il y avait des moments que c'était quand même assez dur. Ce qui me surprend dans ce genre d'histoire, c'est que quand je vous regarde, malgré toutes les épreuves que vous avez traversées, on voit une petite fille avec de l'enthousiasme. On a l'impression que ça a glissé sur vous, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est la force de vie, en fait. Ouais. C'est la force de vie qu'on voit chez vous, qui vous a poussé à vous affranchir. Il a fallu du courage pour avoir cette liberté. Mais on la sent, votre personnalité, votre force qui a permis de traverser toutes ces épreuves et de ne pas être complètement détruite, parce que vous auriez pu être détruite par cette histoire. Complètement. Oui. À un moment donné, je l'ai été. Ouais. Ça, c'est sûr. Ouais. Oui, je l'ai été. Mais qu'est-ce qui fait que, je ne sais pas. Alors, vous avez rencontré le père de Virginie à 18 ans. Oui. Et vous êtes rapidement tombée enceinte. Ah oui, oui, oui. Vous l'aviez souhaité? Oui, on l'a souhaité tous les deux. Oui. Donc, 3 mois après, ça a été vite fait. Hein. 3 mois après. Parce que vous auriez pu avoir envie de goûter à la liberté, à l'indépendance, de penser un peu à vous. Non, tout de suite, il a fallu faire un bébé. Après, vous êtes occupée de tous vos frères et sœurs. Je pense que c'est pas tant ça. C'est que, vous savez, quand vous n'avez pas eu... Vous savez pas ce que c'est d'être aimée. Par exemple, je me souviens pas que ma mère m'ait pris dans ses bras et qu'il m'ait embrassée. Ça, je sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. D'être respecté, on va dire, hein, en tant qu'être humain. En tant qu'être humain par rapport à sa famille ou voilà, à l'entourage. À un moment donné, vous rencontrez quelqu'un qui vous aime. Et l'entourage aussi, son entourage vous aime aussi. Enfin, mes beaux-parents, c'était des personnes vraiment ressources. Et vous avez rencontré l'amour. Vous savez ce que c'est d'être aimé. C'est fabuleux. Donc du coup, c'est sûr qu'on voulait faire l'enfant de l'amour, c'est sûr. Et vous avez réussi à être mère, à aimer, sans l'avoir été vous-même? Je suis tombée enceinte, j'avais pas 20 ans. Donc du coup, avoir un bébé dans les bras, avoir un bébé dans ses bras, ça, vous vous posez même pas la question. Je pense que c'est inné, c'est là, quoi. Mais vous avez... l'adorer. Ah oui, je l'ai mangé, je l'ai bouffé, je l'ai... Ah oui. Ouais. On ne pouvait pas m'approcher. Hein. Mm. Ah non, je me rappelle que, par exemple, il ne fallait pas qu'on la porte quand elle était bébé. Même mon mari, pour descendre des escaliers, je ne voulais pas, je voulais que ce soit que moi. Voilà, parce que j'avais peur qu'on lui fasse du mal. Mais alors, vous disiez que votre mère n'était pas tendre avec vous, pas de gestes d'affection, et pourtant, quand vous étiez séparée d'elle, vous aviez le manque d'elle. Oui, parce que j'aime ma mère. Je l'adore parce que ma mère, elle a... Vous savez, quand vous avez vécu
des choses. Ma mère, elle s'est on l'a mariée de force à 14 ans. Elle ne savait pas, elle, ce que c'était d'un garçon. Elle a 14 ans, elle n'était pas formée, elle n'avait pas encore ses règles, et d'un coup, elle a les règles, elle a les seins qui se forment. Alors du coup, bon, moi, elle m'a parlé de tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et même depuis quelques années, je ne lui en veux pas à ma mère, parce que ma mère, elle a vécu des trucs atroces. Elle est toujours en vie, votre mère ? Non, elle est décédée il y a 2 ans. Mm-hmm. Donc du coup, je comprends, là j'ai compris quand ma mère s'est livrée. J'ai compris. Et quand est-ce qu'elle vous a parlé ? Ben, il y a une quinzaine d'années, quand elle nous a raconté un peu ses histoires. Et là, on a compris. Moi, j'ai compris, par exemple, ma mère, elle m'avait mis une rousse parce que j'avais mes règles. Elle pensait que j'avais couché avec un garçon parce que, elle, ses règles sont arrivées après qu'elle s'est mariée. Mmh. Ouais, y a plein de trucs comme ça. Mmh. Donc, c'était des croyances. Mmh. Et comme ma mère ne savait pas lire, pas écrire et qu'elle était soumise, parce qu'elle était soumise à mon père. Je pense que, voilà, ça avait induit, si vous voulez, maintenant chez moi, une... Est-ce qu'elle a connu quand même le plaisir des choses agréables dans sa vie? Parce que vous dites que donc, votre père est parti en prison au moment où il l'a laissée pour morte. Elle a pu refaire sa vie, elle? Après, ma mère n'a pas refait sa vie. Mais par contre, le fait que nous sommes partis habiter sur Avignon, sa vie, elle a complètement changé. Elle est partie avec vous? Oui, avec ses 8 enfants. Mm-hmm. À Avignon, parce que nous sommes partis après de la DAS. Quand elle nous a récupérés, nous sommes allés habiter à Avignon. Et alors vous êtes débrouillée comment financièrement, en vous mariant si jeune, en ayant 7 enfants? C'est difficile parce que mon mari, bon, il était ouvrier. Mm-hmm. Voilà, il était ouvrier. C'était quand même très, très, très difficile. Qu'est-ce qu'il y a? C'est cette photo. Pourquoi? C'est beau. Donc c'est vous? C'est moi, oui. Hein, c'est ça? Oui. Et je l'ai allaitée, elle est grosse. Hein. Ouais. Donc c'était difficile. Mais ma mère, après, une fois qu'elle est allée à Avignon... Non, mais je vous parlais de vous et de votre bébé, de votre mari, donc qui était ouvrier. Vous me disiez que c'était difficile. Oui, c'était difficile parce que moi, je travaillais pas. Donc j'ai élevé mes 3 enfants. Enfin, j'ai quand même fait des petits boulots. Voilà, les salades, j'ai fait des ménages, j'ai gratté. Voilà, les supermarchés, et il fallait quand même faire rentrer un peu d'argent à la maison. Mais j'étais pas du style à rester vraiment à la maison, quoi, parce que mon mari voulait pas que j'aille travailler, mais j'y allais quand même. Pourquoi il voulait pas? Comme ça, il disait il fallait faire avec ce qu'on a. C'est que tu restes à la maison pour t'occuper des enfants, et ça, non. Et quand vraiment vous n'aviez pas le sou, qu'est-ce que vous faisiez en dernier recours? Il m'est arrivé, parce que mon mari était malade, voilà, il était malade. Maladie du cœur, et il fallait aller travailler, donc du coup moi je travaillais pas, lui il avait un minimum, et donc c'est vrai qu'il m'est arrivé de pas avoir un litre de lait dans le réfrigérateur, ni une baguette de pain, donc des fois je jonglais, j'allais à la boulangerie, je demandais 3 baguettes de pain, et après je disais, oh mon Dieu, j'ai oublié le porte-monnaie. Voilà, j'ai oublié le porte-monnaie, je peux pas vous payer, je viendrai vous payer demain, et voilà. Donc c'est une façon à moi de faire en sorte que mes enfants puissent manger, quoi. Et là, vous alliez la rembourser après? Après, oui. Toujours. Après, mais jamais le lendemain, parce qu'il fallait quand même avoir quand même cet argent. Donc du coup, c'est vrai qu'il a fallu que je trouve du travail, et le travail qui venait, ben, je le prenais. Mm-hmm. Pourquoi ça a été si important pour vous qu'elles fassent des études, vos filles? J'ai été... moi, personnellement, j'ai été déscolarisée très tôt. Parce que je m'occupais de mes frères et mes sœurs. Ma mère disait, quand tu auras fini ton ménage, tu pourras aller à l'école. Mais ça ne se passait pas comme ça. Hein. Donc du coup, c'est vrai que pour moi, c'était très, très, très important pour moi, pour que les choses puissent se terminer et qu'on puisse reconstruire autre chose, que mes enfants puissent faire des études. Mmh. Et pour moi, c'était vraiment... je crois que c'était la seule chose qu'il fallait pour que... qu'on passe dans une autre classe sociale. Mm-hmm. Très important. Voilà, c'était ça. Après, une fois qu'elle avait son bac,
qu'elle aille, après, je veux dire, que se marie avec un peintre maçon, c'était pas important, mais vous vous rendez compte, la chance qu'elles avaient, c'est d'aller à la fac, au niveau culture, je veux dire, apprendre la musique, apprendre la littérature, apprendre la littérature. Rencontrer des gens qui font des études, rencontrer, oui, parler d'autre chose que dans ce qu'on faisait dans les quartiers, quoi. C'était fabuleux, leur donner voilà, envie d'eux. Moi, mes enfants, ils ne savaient pas lire qu'ils avaient déjà des livres dans la main, quoi, le soir. C'était, pour moi, c'était très important. Et qu'elles soient autonomes financièrement. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Qu'elles ne dépendent pas d'un homme. Ah non. Ah non. Surtout pas. Surtout pas. Parce qu'il est resté dans votre vie, le papa ? Moi, on a divorcé et il est décédé. Ah. Il est décédé en 2008. Et vous avez divorcé parce qu'à un moment donné, vous avez eu envie d'être... C'est-à-dire qu'on n'a pas évolué pareil. Mmh. Moi, j'ai évolué, j'avais soif de... Mmh. Soif d'apprendre, soif de rencontrer des gens, soif d'aller vers les autres, malgré que quand j'y allais, c'était souvent maladroit. Mmh. Parce que j'avais pas les outils nécessaires, mais je sentais donc, du coup, je me suis même mis dans une troupe de théâtre. Voilà, mais je fais du théâtre maintenant depuis une dizaine d'années. Et j'avais besoin de ça. C'est pour ça que vous êtes si jeune, si peu marqué, c'est cette curiosité, envie de vivre, cette soif dont vous parlez. Soif d'apprendre, soif de rencontrer des gens, soif d'aller vers les autres. Chose que j'étais en manque, quoi. C'était comme un manque. Après, je sais pas, c'est venu comme ça. Je le cherchais pas, c'est venu en moi. Quand vous savez que vous étiez déscolarisé, moi, mes filles, j'ai pas pu les aider au niveau scolaire, quoi. J'ai appris avec elle. J'ai travaillé dur pour avoir mon diplôme d'aide-soignante. Donc voilà, je suis restée aide-soignante pendant 17 ans. Et j'ai passé le concours infirmière. À quel âge ? À 55 ans. À 58 ans, je suis devenue infirmière. Bravo. Et l'amour ? L'amour, moi j'ai mes trois enfants, j'ai mes trois filles. D'accord. Que j'adore, que j'adore. Avec leur père que j'ai adoré et que j'adore encore. Aujourd'hui, je vis avec un monsieur. Ah. Mon beau-papa adoré. Ça fait 15 ans que nous sommes ensemble. Ah, 15 ans quand même. Oui. 15 ans que nous sommes ensemble. Yves s'appelle. Voilà. Il est sympa ? Il est très... Ouais. Ah, il est adorable. Ah, oui. Ah, oui. Mes filles les adorent. Mes filles l'adorent. Et juste un petit truc, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a, allez, on va dire 2 mois, je me suis dit, mais finalement dans la vie, c'est pas du hasard, c'est des rencontres. Vous savez, moi, comme je vous dis, j'ai été déscolarisée très très longtemps, donc je n'ai pas fait un cursus de classe ordinaire. J'étais en classe transition au SECPA maintenant. Et aujourd'hui, je vis avec un directeur de SECPA. Non. Vous avez été pistonnée, non ? Non ? Il y a 2 mois en arrière, je me suis dit, tiens. Comment vous l'avez rencontré ? Au théâtre. Il jouait avec vous ? Dans la même troupe, oui. Ah oui. On va dans la même troupe et nous avons donc créé notre propre troupe de théâtre. Qui s'appelle le théâtre de l'Émione. Tous les deux ? Oui, tous les deux. Donc du coup, elle joue aussi, ma fille. Et là, c'est vrai qu'on s'est... On s'épanouit bien. Et qu'est-ce que vous faites comme dans la vie, vous ? Je suis infirmière. Ah tiens ! Et vous avez combien d'enfants ? 3. Vous aviez combien, vous ? 3. Et qu'est-ce que vous leur dites à vos enfants ? La même chose que ce qu'elle me disait. C'est-à-dire ? Je ne veux pas entendre, je ne peux pas. Quand on veut, on peut. Et ma fille sera indépendante. Bon, ils ont des caractères maintenant bien trempés, parce que j'ai eu une éducation... avec une dame au caractère bien trempé. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on perpétue, parce que au final, maintenant qu'avec le recul, à mon âge, je vois bien que tout ce qu'elle a fait, c'est ce que je suis devenue aujourd'hui. Et vu que je suis bien aujourd'hui, ben, je retransmets la même chose à mes enfants. Ça, c'est la plus grande fierté, non ? Oui. Oui, je suis fière de toi.
Alors, Madia, vos autres filles n'ont pas pu se libérer pour être à vos côtés aujourd'hui, mais elles aussi voulaient vous rendre hommage. C'est Noël aujourd'hui. Oh. On les écoute. Salut, maman. Comment ça va? Bon, ben, je suis contente que tu participes à cette émission et parce que tu es une femme extraordinaire, tu le sais, et que je t'admire beaucoup. C'est mon modèle. Même si, bon, évidemment, on a eu quelques clashs, mais c'est normal. Je t'aime énormément et si je pouvais dire que tu nous as transmis quelque chose, un sentiment, c'est celui de la liberté. Parce qu'aujourd'hui, on est des filles libres. Je voulais moi aussi témoigner pour dire à quel point tu es une maman formidable. Que ben voilà, j'ai été témoin de toutes les difficultés que tu as pu avoir. Et surtout, j'ai été témoin de la manière dont tu t'es battue pour y arriver. Et je voulais te dire que tu es un exemple à suivre. En tout cas, pour moi, tu es un exemple. Et voilà, je souhaitais aussi te dire à quel point je t'aime. Je t'aime très fort, ma maman. Et à très vite, alors. Marie, vous avez laissé de côté les recherches sur vos origines pendant près de 10 ans. Et c'est finalement le hasard qui vous a donné un petit coup de pouce. Les réseaux sociaux. J'ai trouvé, grâce à un réseau, une association à côté de chez moi, en fait, en lien avec Madagascar, donc Clément Horizon Madagascar. J'ai fait ma curieuse et je leur ai envoyé un message pour savoir ce qu'ils faisaient exactement. Ils m'ont répondu qu'ils avaient un projet avec Madagascar, qu'ils allaient régulièrement à Madagascar, justement dans le village où je suis née, Manakar. C'est pas aller plus loin parce que je pensais pas que c'était possible de retrouver ma maman. Et quelques mois après, c'est eux qui m'ont contactée pour me dire que les personnes avec qui elles travaillaient, qui sont directement sur Manakar, venaient en France pendant 3 semaines. Ils m'ont proposé de les rencontrer et je l'ai fait. Et ça a été lancé comme ça. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que ces deux personnes qui venaient de Madagascar m'ont proposé de faire les recherches. J'y croyais pas du tout. Finalement, elles sont reparties et 2 semaines après, elles m'ont rappelé en me disant qu'elles avaient retrouvé ma maman et mes sœurs. Alors, comment vous avez réagi quand on vous a dit ça? Je crois que j'y croyais pas. Je crois que je l'ai cru vraiment quand je me suis retrouvée là-bas. Parce que toutes les deux, vous avez décidé de vous rendre là-bas, à Madagascar. C'était important que vous y alliez ensemble. Alors, elle oublie quelque chose. C'est que dès qu'elle a reçu les photos, elle me les a basculées au milieu de la nuit en me disant, est-ce que c'est bien elle? Et je lui ai dit avec quelques... Donc c'est laquelle, votre maman, là? Chapeau bleu? Non, c'est ma sœur qui a le chapeau bleu. Ma maman est derrière moi, là. Qu'est-ce qui se passe, là, dans votre cœur, dans votre tête? J'avais pas revu ces images, en fait, depuis la rencontre. Je les avais jamais vues. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? On arrive à se parler, on se regarde, tout passe dans un regard, dans la manière de se toucher? C'est tout dans, beaucoup dans le regard. Et puis, j'avais un interprète avec moi, qui était là, heureusement. Voilà, ma petite maman. Je savais pas que je la regardais comme ça autant. Est-ce que vous avez pu avoir des détails sur votre famille? J'ai su le nombre de frères et sœurs que j'avais. J'ai su que mon père était décédé. Vous avez J'ai compris. Vu qu'elle manquait de beaucoup de choses et j'ai compris, oui. En voyant, j'ai compris.
par rapport à vos frères et sœurs que vous avez vus? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Je me suis peut-être demandé pourquoi c'était moi et pas... C'est ça? Enfin, il me reste plus que 3 sœurs, en fait. On était 12 enfants, il m'en reste plus que 3 là-bas. Qui ont... Survécu. Je me suis demandé pourquoi moi. Pourquoi j'avais eu cette chance et... Alors, c'était en novembre 2015. Oui. Est-ce que vous avez revu votre mère depuis? J'y suis retournée au mois de mars. Comment ça s'est passé? Et j'ai hâte d'y retourner. C'était... Je crois qu'elle a... Elle est contente. J'imagine que vous essayez de l'aider comme vous pouvez. J'essaye, oui. Mmh. Elle est contente de la vie que vous avez? Elle est ravie, elle est fière. Je crois que... elle avait du mal à croire que j'étais encore en vie. D'ailleurs, il y a une petite anecdote. Le jour de cette rencontre, on a parlé pendant 2 heures à peu près. Et à la fin, quand on est parti, je me suis levée, je suis passée devant elle, et elle m'a attrapée par le bras, comme ça. C'est que je me suis dit, pourquoi? Et elle a retourné mon bras, elle a regardé, et elle a dit, elle a la tache de naissance, c'est bien elle, ma fille. Parce qu'à la naissance, vous aviez une tache qu'elle n'avait jamais oubliée. Une tache de naissance qu'elle n'avait jamais oubliée. Ouais. Ça veut dire qu'elle y avait pensé souvent, à vous. Oui. Vous y avez emmené vos enfants? Non. J'ai peur de les emmener. Vous leur avez raconté? Oui, je leur ai raconté. Ils ont très envie d'y aller, mais... Ils ont quel âge, vos enfants, aujourd'hui? 9 ans et 7 ans. Pourquoi vous avez peur de les y emmener? La vie là-bas est difficile. Ils sont nés en France. J'ai peur qu'ils soient perdus, choqués de ce qu'ils peuvent voir. Frédéric, je trouve que pour un adulte, c'est difficile déjà. Pour un enfant, je ne sais pas. Je pense que c'est plus simple pour un enfant parce qu'il n'a pas justement tous ces a priori ou tout cet historique. Ça fait partie d'eux aussi. C'est leur famille, c'est leur histoire. Et ce sera beaucoup plus simple. Je pense que c'est vos propres projections qui font que vous avez peur que ce soit difficile. Mais je pense que la vérité est toujours plus simple pour les enfants. Et comme vous avez eu besoin de savoir, vous, d'où vous veniez, pour eux, c'est important aussi. Et ce sera beaucoup plus simple que vous ne l'imaginez. D'accord. Alors Marie, je crois que pour rendre hommage à vos deux mamans, vous avez écrit une lettre que vous aimeriez... leur lire aujourd'hui? Si j'y arrive. Alors, à mes deux mamans. Florine, c'est le nom de ma maman. Voilà. Quand j'étais petite, je connaissais seulement ton prénom. Tu portes celui d'une fleur. J'ai grandi loin de toi, oui, mais je ne peux pas dire sans toi. Tu étais toujours là. Dans chacun de mes pas, chacun de mes sourires, et chacune de mes larmes. Puis je suis devenue femme, puis maman à mon tour. Ce que je veux te dire surtout, c'est que tu restes pleinement ma maman. Il y a plus de 20 ans, je t'imaginais comme une reine. Aujourd'hui, je sais que je ne me suis pas trompée. Merci. Ça, c'est pour toi, tu crois que je vais réussir? Catherine? Tu n'es pas celle qui m'a donné la vie, mais tu es celle qui l'a guidée et appris à la vivre. Tu es celle qui a accompagné mes joies, celle qui a séché mes larmes, celle qui a veillé sur moi et qui le fait toujours. Tu n'as pas été la première, mais au fond, peu importe. Comme pour toutes les petites filles, ton nom reste maman. J'ai eu la chance d'en avoir 2. Je sais aujourd'hui que j'ai reçu le double d'amour, un amour différent mais toujours présent. Ma maman Florine te l'a dit un certain lundi à Madagascar. Tu es une vraie mère. Et moi, je dirais encore plus, tu es la meilleure des mamans. Courage. Merci.
Alors, voilà. Marie, votre mère biologique n'a pas pu être présente aujourd'hui puisqu'elle habite à des milliers de kilomètres. Mais on a une petite surprise pour vous. Je suis ravie de te saluer, Fante. Je suis ici dans le village de Manakara. Et toi, comment vas-tu? Je suis impatiente de te revoir. Je suis ta maman biologique, mais je pense aussi à ta mère adoptive en France. Je lui souhaite aussi une très bonne santé. Car elle aussi, c'est ta maman. Bon, Frédéric, on peut conclure ou pas du tout? Pourquoi ça vous touche autant? Je ne sais pas. Ça me bouleverse. Ça me bouleverse de voir ces... de voir l'amour de Catherine, le respect et l'humanité qu'elle a eu pour accompagner Marie. Ça me bouleverse. Vous y allez quand, Marie? Vous y retournez quand? J'aimerais bien y retourner au mois de septembre. Ouais. Alors, vous avez deux grands frères avec lesquels vous avez grandi. Oui. Ils vous ont soutenu dans vos démarches? Oui. Ils ont toujours été, m'ont toujours poussé à le faire. C'est des anges gardiens en plus. Alors, ils ont tenu eux aussi à faire partie de cette émission. Et ils ont un petit message pour vous. Regardez. Coucou Marie. Eh bien, je voulais te dire que je suis particulièrement fier de toi, de ta force, de ton courage. Tu n'as pas choisi la voie de la facilité, tu t'en sors. Et je suis très heureux pour toi que tu aies pu retrouver ta famille de Madagascar, ta maman biologique. Bah, j'admire ta force lors du voyage du mois de mars pour venir en aide à ta sœur. Et bah, voilà, je suis particulièrement fier de toi. Je t'aime et je pense très fort à toi. Voilà Marie, je voulais te dire que tu es la frangine la plus géniale qu'on pouvait avoir et que je suis très content que maman soit allée faire le tour du monde pour te ramener et t'ajouter à la famille. Donc j'imagine que vous êtes très proches tous les trois. Maintenant oui, maintenant qu'on est tous adultes, oui. Il y a eu une période difficile? Quand j'étais adolescente et que j'étais pénible avec tout le monde, oui. Merci, en tout cas, pour ce beau témoignage. Si. Merci à Frédéric. D'avoir pleuré. Merci à tous pour votre confiance. Et n'oubliez pas, on se retrouve ce week-end dans Version Féminin pour redécouvrir les témoignages des invités qui vous ont marqué. À tout de suite pour l'Histoire continue. Aujourd'hui, nous recevons Bernard et Nathalie, avec lesquels nous allons parler célibat. Tous les deux ont dû apprendre à vivre seuls après des années de vie à deux. Ils se préparent dans les coulisses. À tout de suite. Merci. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde, elle m'emportera avec elle. Dans l'histoire continue cet après-midi, nous avions fait la connaissance de Nathalie à l'hiver 2012. Mon ex-mari n'avait pas eu son poste comme c'était convenu, à la date convenue. Et du coup, ben, on s'est enlisé parce qu'on vivait qu'avec un salaire, quoi, en fin de compte. Et plus les mensualités, donc ça faisait énorme. Ça m'a bouffé la vie. Et après l'émission, elle a eu un gros déclic. J'ai dit, écoute, il n'y a pas de souci, on se sépare. Moi, j'ai fait ma demande de logement. Dès que j'ai mon logement, je m'en vais. Plus de 27 ans, donc de vie à deux. Quel souvenir vous gardez du premier soir que vous avez passé seul? Un soulagement, mais un bonheur total. Bernard, lui, nous avait rendu visite en 2008. Et aujourd'hui, il veut nous passer un message inattendu. Le célibat, c'est le pied. J'organise ma vie comme je l'entends. Je me sens plus de donner de l'amour à quelqu'un, je me sens plus de dire à quelqu'un je t'aime, etc. Aujourd'hui, vous êtes heureux, vraiment? Ah oui, absolument. Absolument. À tout à l'heure sur le plateau de l'Histoire continue.
bientôt au sommaire de toute une histoire. Très très vite, j'ai dévié dans l'alcoolisme pur. Je buvais 1 litre de whisky par jour, c'était fréquent. 2 litres de rosé. Jusqu'à 3 litres de whisky par jour. Guylaine et Florence ont décidé de témoigner pour faire tomber un tabou. J'ai commencé à en avoir vraiment besoin, mais tous les jours et de plus en plus tôt. J'avais des grosses bouteilles et il fallait vraiment que je la boive jusqu'au bout, je ne pouvais pas gâcher. C'est là où vraiment on se rend compte qu'il y a un réel souci, quoi. Le récit de deux reconstructions. À partir du moment où j'ai compris que l'alcool était une maladie, j'ai accepté de poser mon verre. Bravo pour tous ces efforts, cette volonté, cette force que tu nous as montrée. Ah, je t'aime, maman. Restez vigilant, parce que rien n'est jamais gagné à 100%. Mais je ferai tout pour parachuter, mais tout. Aujourd'hui, elles veulent aider les femmes comme Claire à s'en sortir. Le soir, je me dis, bon, bah, demain, c'est terminé, mais pff, non, ça marche pas. Cette maladie de l'esprit se soigne par la parole. On se fait soigner, on se fait aider. C'est possible.